Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On est parti pour l'ouverture les potes. Alors le programme c'est vite vu hein. On va ouvrir les paquets en boutique vite fait pour avoir quelques petits joueurs et faire quelques petits SBC. Et ensuite, je vous le dis, quoi qu'il arrive, on va faire le SBC icône 90+, l'icône compact, le premier match fut champion, on joue avec, et si on perd, on doit la discard. Ça va être ça le programme. On avait des packs qui nous surprenaient un petit peu ici, donc celui-ci qu'on va ouvrir en premier, je pense. Momentots, héros, putain, mais en fait, là, on a peut-être... je sais pas lequel prendre. Ouais, celui-là, vas-y. On tente, on regarde, les gars, de toute façon, ça nous fera des notes pour faire des petits SBC tranquilles. Et on est bien. Ruben Dias, ok. Un doublon, bah ça va pas être une carte spéciale du coup. Ah putain, oui, ah oui, d'accord. Ouh, ah oui, ah oui, le petit Cavani qui tombe. Sympa. Et en plus, je crois que tu peux le passer en 5 étoiles. Hein. Ok, on prend. Très cool. Et puis on a déjà un petit command pour. Ah bah non, on va le lister command. J'ai envie de tester le TOTS, les gars. Ouais, j'ai vu un SBC de McAllister, mais il nous intéresse pas plus. Anglais. Non. Oh. Why. Ah, c'est solide quand même. On l'a en doublon, on l'a en rouge et en bleu du coup. C'est joli, hein. De Bruyne, putain, nice. Propre. Et Kane. Waouh, oh non. Kane doublon. Dommage. Bon, bah, on pourra mettre Kane dans un SBC, ça c'est cool quand même. Il est vendable le mien ou pas? Non, non. Bah, du coup, on va garder celui-là et on va faire un SBC avec Harry Kane. Du coup, les gars, ouais, je suis joueur icône, hein, je vais pas vous mentir. On tente. 85, 84, ça passe, voilà, tiens, un force. Allez, let's go. On a déjà fait un petit SBC. Honnêtement, je pensais pas prendre le Y24, mais moi, les gars, je vous dis de toute façon, Y24, pensez pas Ultimate Team. Y24, pensez nouveau mode carrière et tout, etc. Tu vas investir 60 balles, 70 balles dans le jeu. Est-ce que tes 60, 70 balles en 12 mois vont être rentables avec le mode carrière, le plaisir que tu vas prendre et tout? Déjà, oui, moi, je sais que de toute façon, mode carrière, ça va me faire kiffer. Après, Ultimate Team, je vais de toute façon y jouer. Mais le jeu en lui-même, moi, de toute façon, je le prends. Il y a des mises à jour, il y aura des nouveautés mode carrière. Et tu vas kiffer. Donc, bien sûr, je vais le prendre. Tu vois? Bien évidemment que je vais le prendre, les gars. C'est sûr. Pas que 2 joueurs 81 plus. Il y aurait une histoire. Ouais, après les histoires, je suis pas forcément fan, moi, perso. Là, j'étais très déçu de quand ils avaient fait avec l'autre, là. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, là. Le héros nul, là. C'était quand même un petit peu triste, ou net, parce que tu pouvais te mettre des autogols et tout, limite. Tu faisais la même carrière partout. C'est pas forcément mon kiff, quoi. Animé, let's go, 83+. Anglais buteur Harry Kane du coup. Bah ouais. Bah nickel, ça va être lui aujourd'hui. Alex Hunter, voilà, c'est ça. La saison 1 était cool, tu vois. Mais après, malheureusement, ils ont pas été bons sur ce qu'ils auraient pu faire en plus, quoi. Allez, ah, un peu crédit, crédit, hein. On sait jamais, à tout moment, les gars, ici dedans, c'est énorme. C'est un nom. Alors du coup, on sait qu'on va ouvrir ça. Ça fait 3, 6, 9. Bah alors là, c'est ce pack-là, moi, qui m'a intrigué. Contient 15 joueurs rares, dont 3,90 plus de TOTS, de Moment TOTS, de Hero, de Icon Titan. T'as 3 joueurs garantis spéciaux. Ça me paraît super fort et bizarre. J'ouvre. Ah non, vraiment, c'est un TOTS garanti, d'accord, ok. Brésil, ouais. MDC, non. Casemiro, ouais, pas ouf. Malheureusement, pas ouf. On l'a déjà en plus. Ah mais ils ont pas menti frère. Ok, donc c'était une icône aussi à l'intérieur. Ok, d'accord. Putain, mais le pack il est quand même assez fou. Bon, Xavi, malheureusement, je vais pas te mentir. Voilà, c'est pas dingue. Et là, bah c'est que du doublon. Bah bon, ça va faire des SBC, hein, clairement. Ça va faire des beaux SBC ici. Celui-ci on le garde du coup. On va regarder ce qui est vendable, pas vendable. Et puis, puis bah voilà, hein, c'est tout. Hein. Allez, ça part. Allez, on récupère les gars un choix joueur icône 90+. On apprécie beaucoup ce genre de choses. Et là, je mets la pression au jeu parce que je lui dis au jeu, en fait, clairement, frérot, si je pack un truc lourd, je le mets en jeu. On va voir, on va faire tech stat, bien évidemment, pour cette petite icône. Ça va être, je l'espère, sexy. Allez, au niveau des attributs de mon icône 90+, je vous le rappelle. Titulaire, tête puissante, leadership. Je peux pas vous mentir, ça me fait pas vibrer. 90 de physique, 95 de défense, 73 de dribble. Après, à tout moment, si c'est un Vidic ou Ferdinand, on prend. Hein. Nesta, dommage. Nesta Totti, hein, ça reste sympa. Allez, deuxième. Oh oui, dribbleur rapide. Oh oui, il y a plein de choses. Oui, 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 ça, on aime beaucoup. Là, on peut avoir une légende, là. 80 de physique, 53 de défense, 4... Ah, c'est peu l'équilibre. Oh, Thierry Henry, dommage. Ça aurait pu être bien mieux. Thierry Henry, Nesta, ou... Extérieur du pied, dribble... Oh oui, 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 on aime bien. 83 de physique, c'est beaucoup. C'est... Ouais. Ouais. Première win de l'année ou pas, les gars? 4-4.
Eto, ok, ça c'est un des meilleurs qu'on a eu hein, cette année. Hein. Alors bon, je vais pas vous mentir. Ah, pour le beau jeu, c'est lequel qui vaut le plus cher? Discard avec le joueur qui vaut le plus cher, c'est le plus intéressant. Vous m'avez dit, c'est soit Henry, soit Eto. Eh bah, pas du tout. Bah, c'est cool, c'est la plus grosse note aussi. Donc, on va prendre Nesta et on va jouer un match avec Nesta pour essayer de le garder. Nesta 300 et quelques. Après, c'est un Icon Totti, hein, ça coûte toujours un peu plus cher. Hein. Icon Totti, c'est une rareté quand même un peu plus forte. Hein. Mais le choix est sympa au niveau gameplay, c'est tout jouable. C'est pas dégueulasse en vrai. C'est pas dégueulasse. On a eu largement pire, donc on va pas se plaindre. Ok, on finit le pack opening, les gars. Et donc, du coup, lors d'une prochaine vidéo pour YouTube, on fait un match avec Nesta, et si on perd le match, on le discarde. C'est tout ce qui se va se passer. Je prends toujours les notes. Ouais, bah là, oui, parce que moi, en attaque, on sait très bien que mon équipe, c'est Manchester. Hein. Après, je vais pas te mentir, hein, c'était éventuellement Ronaldo. Et bon, après, il n'y a pas match, mais... Enfin, là, je vais focus les icônes de Manchester que j'ai pas, ou les énormes trucs, quoi. Alors, ok, il nous reste quoi comme pack à ouvrir? Bah, c'est là, hein. C'est que les packs à 500 000, les gars. Donc là, on a une icône garantie aussi, apparemment. On va ouvrir celui-ci en premier. Icône garantie, les gars. Il y a que 3 joueurs. Hein. 3 joueurs, Tots, Moment Tots ou Icône Titan. Ah, il part des Tots. Tous notés 93 général ou plus, et un noté 93. Ça peut être fort, hein. Allez, faites-nous rêver. Ok, le Tots se met en avant, c'est normal. Allemand, gardien. Ok, du coup, ça couvre un peu... Ouais, ça couvre les notes sympas. Hein. Malheureusement, en Tots, on n'a pas eu de chance. Il faut espérer que l'icône derrière soit folle. Hein. Ouf. Bon, Nuno Mendes, c'est sympa. Et Van Basten, putain. Ouais, malheureusement, non. Ah, c'est pas fou. Hein. Ça fait des notes dans l'équipe. Hein. C'est tout ce que ça fait, les gars. Nuno Mendes, écoute, c'était sympa éventuellement si j'avais une équipe Ligue 1, mais je l'ai pas. Mais grosse note quand même, on prend, écoute. C'est pas fou. Allez, il reste 2 packs à 500 000 pour rêver ici. Et ensuite, il y a peut-être un SBC encore qu'on va faire pour le player pick. Et après, les gars, c'est tout. Hein. Allez, animé ici. Français, buteur Mbappé. Mais oui, le petit Mbappé, allez, c'est bien. Bon, à ce moment-là, l'année, ça vaut plus grand-chose, mais je crois que c'est la première fois qu'on le pack. Mbappé, cette année, 91 de général. C'est quoi cette danse, frérot? Casemiro à Londres, c'est un beau pack, hein. T'as eu toutes les animations, c'est ouf. Hein. On a beaucoup de doublons aussi, et on peut avoir des petites choses sympas en vert, éventuellement. Pas ici. Boum. Et Vlahovic qui tombe aussi. On en aura eu quelques-uns de ces petits joueurs en vrai. Hein. Plutôt sympa, hein. Plutôt sympa. Et puis bon, bah, après, je vais pas vous mentir, les 50 doublons derrière, je vais pas en faire grand-chose. Hein. On va pas prendre le temps. Mais sympa. Et là, en doublon, on va juste vérifier. Ouais, tu vois, il y a Pacho. Donc on va faire un SBC avec Pacho ici. Défi création. Ah, c'est cumulable en plus, ce choix icône. Vous voyez arriver le double icône match. Allez, ça récupère 93 plus. Le pack opening, par contre, au niveau des grosses notes, il est incroyable. Hein. C'est quoi, on va l'affronter? On affronte jamais, là on affronte. Il y a 4 choix, avec soit Tots, Moment Tots ou équipe métamorphosée. 1, 2, 3. Je vous le dis là il faut Bruno, Varane, Rashford. S'il vous plaît. Ils abusent. C'est beau, hein, c'est un beau choix, mais... Bon, on va prendre De Bruyne, ça fera un SBC. Hein. Encore, hein. 500 à 90 plus, vas-y, je prends en direct. Hein. 590 plus. Oh! Non, mais pourquoi c'est toujours... Mais pourquoi c'est toujours des gardiens, des trucs, des machins? C'est bien, c'est bien, c'est bien d'avoir une icône. C'est très bien. Arrêtez de me filer les Espagnols, les gardiens, les trucs, les machins. Allez, le dernier pack à 500 000, les gars, il est là. Il est maintenant, il est pour vous. Allez, faites-nous réveiller, sport, s'il vous plaît. Lâchez les chevaux, là. Lâchez les chevaux. Van Dijk. Ok, bonne note générale, 90, c'est bien. Ok, bah, beaucoup d'animation, beaucoup de doublons. Il part des petits joueurs verts. Oh là là, la triplette. Corona, on en a parlé. Double 5, qui doit être assez sympa en vrai, le petit bougre. Corona, Foyt et Pacho. On en a packé 3 dans le même pack. Magnifique. Cette fois-ci, on va se faire un petit kiff avant. On va se faire un petit cash player. Il y a 3 icônes proposées. Du coup, on va faire ça en espérant que ce soit bien cadré et vibré s'il y a des beaux drapeaux. C'est parti! Bon, y a pas grand-chose, hein. C'est clairement Roumanie, on est d'accord, hein. Ouais, ouais. Bah, espagnol, c'est de la merde aussi. Voilà. Toujours là, hein. Mais encore une fois, malheureusement, on n'aura pas forcément chaté de ouf. Bah, c'est Luis Figo, hein. Ah, même pas la pire, ok. Waouh, vraiment. C'est le pire choix qui existe, les gars. On va prendre la note. Franchement, c'est dur. Bon, bah, on a une nouvelle défense centrale pour notre match discard qui sera la prochaine vidéo YouTube. Voilà, ça sera ça. Ça va être chaud.